bien, salut à tous, la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'écran de chargement de la semaine 10. Et bien cet écran de chargement les gars, vous allez voir, je l'ai débloqué grâce au défi de la semaine 10. Donc en finissant tous les défis de cette semaine 10, et bien vous allez dans le casier, regardez, je l'ai gardé pour vous, hop, c'est celui-ci. Alors en plein écran, nous avons donc ce skin hyper stylé qui va faire sûrement son apparition dans un pack futur. Et par contre, on a un problème, c'est que ça ne nous donne pas grande indication sur l'endroit où ça pourrait être. La plupart des gens disent que ça pourrait être sur Tilted, mais d'après les dernières informations que j'ai eues sur le net, les gars, ça se trouve absolument pas à Tilted. Donc je vais vous montrer où ça se trouve sur la carte de Fortnite Battle Royale. Je vous retrouve sur place. Donc voilà les gars, on se retrouve sur la carte de Fortnite Battle Royale et vous pouvez constater que je vous ai déjà mis un point à Lonely Lodge. Alors pourquoi vous me direz à Lonely Lodge? Puisque les gars, sur le commentaire et le descriptif de cet écran de chargement, il y a écrit Jungle Néon et après ils mettent rien à voir avec Lonely Lodge, trois petits points. Alors c'est cette maison-ci, regardez là où je vous fais un petit tour du truc, comme ça vous vous repérez. Hop, tranquillement. Là où il y a des toilettes, etc. Bref. Eh bien, vous allez dans cette petite cabane ici. Et vous allez, ici, vous verrez cette puce numéro 33 qui sera là. Alors, je vous préviens tout de suite. Attention, avant de me dire fake et compagnie. La puce est, comme d'habitude, disponible dimanche. Puisque je ne sais pas ce qu'ils ont avec les écrans de chargement chez Epic Games. Ils nous les mettent, tout ce qui est 2, 4, 6, 8, 10. Donc, les écrans de chargement pairs. Eh bien, ils nous les mettent disponibles donc à partir de jeudi, quand vous finissez tous vos défis. Par contre, les puces, elles sont disponibles que dimanche d'après. Donc, c'est-à-dire pas vendredi, pas samedi, mais seulement dimanche. Donc, là, aujourd'hui, je suis en train de vous publier la vidéo, on est samedi, vous allez devoir attendre jusqu'à demain. Mais en tout cas, l'emplacement exact de la puce, c'est bien ici, la puce numéro 33, les gars, pour valider votre défi. Donc, elle arrivera que demain, et vous allez pouvoir donc la valider. Donc voilà les gars, j'espère que vous allez être patients jusqu'à demain et pas m'incendier en commentaire en train de me dire que c'est pas l'endroit exact. Vous allez de toute façon devoir vérifier ça demain. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker à max, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de mettre le code créateur Telmo-Lopez comme en intro. En tout cas, n'oubliez pas de visiter également les réseaux sociaux Instagram, Discord et Twitter. Mais je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!